France. Donc maintenant, c'est retour de course à Dubaï. Et on en a eu pour environ 300 euros. Tempura de poisson. Alors, je sais pas ce que ça vaut. Je les ai jamais goûté parce que c'est pas du tout une marque française. J'ai retrouvé des surimi. Donc en fait, c'est Carrefour, mais Carrefour des Émirats. Je pense que c'est bon, en fait. C'est comme Carrefour de France, mais c'est aux Émirats. Ça coûte pas hyper cher non plus. Genre, vous allez voir tout ce que j'ai. On en a eu pour 300 euros. Mais il faut juste, en fait, choisir les bons produits quand on est à Dubaï pour pas devoir vendre un rein pour se nourrir. Une pâte brisée. Tu peux mettre au congèle, s'il te plaît, les trucs que je sors. Petit suisse, c'est les mêmes qu'en France, ceux-là. Des oignons, pareil qu'en France. Je l'ai, parce que flemme d'avoir le dessous des ongles qui tue l'oignon. Épinards. Turquie Brest, c'est de la poitrine de Turquie, je sais pas ce que c'est. Je sais pas quelle viande c'est, mais en tout cas c'est ce qui se rapproche le plus de ce que je dirais de la des tranches de dinde là. C'est le truc que j'arrive à ingérer en viande. J'ai de plus en plus de mal à manger de la viande rouge. En fait, je peux manger de la viande rouge que quand elle ressemble pas à de la viande, genre cramée dans un burger ou un truc comme ça. Sinon ça passe pas. Du poulet congelé, donc c'est du poulet en cube en fait, déjà qui est déjà coupé. Et celui-là, il est pas mal. Il est bon. Je ne saurais pas vous dire le prix exact, mais ça va. Franchement, c'est pas excessif. Fromage râpé, la mozza. On a pris des tomates cerises. Donc, j'en ai pris deux paquets comme ça. Petits concombres, ils sont produits ici. Donc, du coup, ils sont pas importés. Donc, je les ai pris. Parce que Lolo, il veut pas manger des trucs qui sont importés. Alors, j'ai pas compris pourquoi exactement, mais il veut pas. Les fruits, par exemple, l'Espagne et tout, ils utilisent les OGM. Les OGM et tout, c'est pas contrôlé, tu vois. Ah, voilà. Des pommes, des carottes. Ah, ouais. Mais tu sais que c'est dégoûtant, je viens de me laver les cheveux en plus. Des carottes. C'est pas marrant, hein. Si tu veux venir sur le retour de course, ça va être drôle. J'arrive même pas à parler comme ça. Range les courses. Tu m'as dit range au congèle, je vais au congèle. J'ai déjà tout rangé au congèle. Range les courses. Aux tomates. Tu vas me dire c'est mal rangé. Pour faire des lasagnes, et ben range correctement pour pas que je te dise que c'est mal rangé. Tu m'emmerdes. Toi aussi. J'ai plusieurs comme ça je peux faire des lasagnes. Des pâtes à lasagne. Si tu sais comment ranger, ça doit être logique. Pardon ? Sel. C'est les pompons qui a choisi le sel. Himalayan Pink Salt. Yaourt aux fruits avec 0%, non 1% de matière grasse. Du jus. Ça, c'est Pimpin qui boit ça parce qu'il peut pas avaler ses cachets sans jus, vous le savez déjà. Ce n'est pas des cachets, ce sont des compléments alimentaires. Des compléments alimentaires. Voilà, ta blague. Ah, tu vois, tu peux pas les toucher avec ton visage, mais tac. Je sais pas aux autres ce qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse à soi-même. Ne me raconte pas ta vie. Une crème pour le corps. Des pâtes que complètes. Pimpin ne mange que des pâtes complètes. 11 boîtes de haricots. Je vous avoue, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. J'ai hésité en fait. Mais en fait, le Carrefour, il est tellement grand. À Dubaï, j'ai paniqué, j'étais pas bien. Je vais m'habituer. Testo Rosso, il coûte cher. Je saurais pas dire combien, mais je crois qu'il coûte genre 7 balles. Eh hey. Je suis en train de bercer l'enfant. Non, mais regardez-le. Ce roublard. Viens ranger les courses. Je vais ranger ça pour moi. Pâté pour chat. Pour nourrir les chats, parce qu'il y a beaucoup de chats errants ici. Et j'adore les chats. Spray d'huile d'olive, dont une parfumée à l'ail, genre la meuf Persevo, ça y est, elle parle anglais. Du tanning oil, là, voilà. Du déo, celui-là, je le trouve pas en France, je le trouve que ici. Et il sent extrêmement bon, il sent le talc. Des compotes, sans papier, parce qu'en fait, j'ai de la corde sous les pieds, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais vu que tout l'été, j'ai marché en tong à cause de ma grossesse, parce que j'avais des énormes pieds, je pouvais plus mettre de baskets. J'ai fait les retours de course en France, donc maintenant...